Est-ce qu'ils peuvent le péter plus alors? Ouais, viens, 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 viens vers moi. On en reparlera. Sauf que lui, il passe plus du tout, hein. J'ai quoi qui se fait en cours là? En attente. Annulé. Ouais, ouais, j'ai plus rien. Oui, chef, affirmatif. Oui, chef, au rapport, bien compris. Oui, chef, affirmatif, au rapport, bien compris. Bien compris. C'est bon, ça passe, ça passe. Au rapport, bien compris. Affirmatif. Affirmatif, j'attends les ordres. Bien compris. J'ai combien de mammouths? J'en ai deux mammouths. Qu'est-ce qui se fait attaquer là? J'ai l'impression de se faire attaquer là pourtant. Lui. Ah, c'est lui, et surtout qu'on a une bonne visibilité là, ça va aider. En réparation. J'attends les ordres. Alors on a une bonne visibilité, mais il y a du monde quand même qui va venir là. Ah, en fait, je suis obligé de les laisser en bas. Hein. Ah. Construction. Construction. J'ai l'impression qu'on pourra même pas les toucher. Si, il y a le, lui au moins. Unité prête. Et lui. Yes, c'est bon. A 3, ça va le faire. En réparation. Notre base est attaquée. Ouais. On va voir si là on peut les avoir, eux. Très bien. On va essayer de les faire réparer. On va se mettre ça ici. Ça se joue à rien pour pouvoir finir l'attaque sur lui. En réparation. Rideau de fer prêt. Unité réparée. Non. Ça va être eux de là où ils sont qui pourront le faire. Et le rideau de fer, on va juste le faire sur lui. Sélection de la cible. Chargement rideau de fer. Comme ça, on est peinard. Idem pour lui. Eux, on peut les remonter maintenant. On va les mettre ici. Ça va être plutôt bien ici. Là, on va essayer de nettoyer la partie bleue qu'on voit dans la carte. On est allé un peu vite en besogne. Qu'il y ait du monde quand même, parce que là, s'ils y vont à 1, ils vont prendre cher. Là, les trois. Parfait. Première vue, si c'est là qu'il compte se mettre, on va pouvoir le mettre ici constamment et tenter de faire, je vais pas dire une diversion, mais voilà, de les contrecarrer à chaque fois. Je vais juste faire un dernier sous-marin. Ah ben, on a perdu notre base navale. Voilà. Pourquoi pas, hein, on dira rien. Et un collecteur, donc j'étais en train de faire du collecteur, donc on va essayer de refaire des collecteurs. Ouais, on l'a dit 4 fois, ça veut dire que on va le faire. Ça s'annonce bien. Et encore, on n'a pas vu la base qui nous attend là-bas. Et j'ai peur qu'elle soit quand même conséquente. Sélection de la cible. Ça, on va faire pour le plaisir. Et encore, je suis même pas sûr qu'on y arrive. En réparation. Tac tac tac. Avion espion prêt. Unité réparée. On va essayer de regarder unité ce qui prête. Se passe là. En réparation. Unité réparée. Yes. En réparation. Excellent. Très très utile. Comment allons-nous faire maintenant? Oui, de collecteur, c'est bien.
On va essayer d'en faire un troisième juste après. Unité réparée. On pourrait pas. Bah, c'est sûr qu'on va être en manque de ressources quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une base ici. Oui, chef, affirmatif. Unité réparée. J'attends les ordres. Ouais, je pense que ça passe sans problème ici, ça passe crème ici, ça passe crème là. Il y a lui là. Donc je pense qu'on va monter ici et essayer de découvrir ce qui se passe. Et parce que ils doivent simplement faire le tour par là. En réparation. C'est parfait. C'est parfait. Pas de problème là-dessus. Construction. En réparation. Ouais. Dès qu'on arrive à peu près à la moitié, on met en pause. L'histoire que le reste se fasse. On sera avec 3 collecteurs de nouveau. En attente. Voilà, ça devrait être pas mal aussi. On a tout de près ici. J'ai l'impression qu'il faut faire le tour et il faut que je nettoie lui. Il va être indispensable à nettoyer. L'avion espion. Sélection de la cible. On va essayer de voir de ce qu'il y a là. Là, il n'y a pas de contre-terpilleur, semble-t-il. Et là, il y a une base. Sélection de la cible. Renfort arrivé. Unité. Non, bah non, il pourra pas atterrir ici. Pas de problème. On comprend. Tout de suite. Oui, chef. Bien compris. Ouais, là, c'est bon. On le voit arriver, donc on n'a pas d'inquiétude. Construction. Ah, il y a du monde en bas. Allez-y. Voilà, ça c'est le premier. Hop, 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 hop. Ça c'est les deux ici, ça va le faire tranquille. Très bien. Maintenant, il y a 3 collecteurs. Ah, tu vas où là? Toi tu vas ici normalement. Ah, on te regarde là. Allez, viens. Voilà. Calmez un petit peu là. Oh, on en a marre de se prendre des coups là. Là, on a une bonne vue du sud de la carte. On ne peut plus rater de choses, d'attaques et autres. Construction. On n'a plus qu'à faire le reste du point. Là, ce qu'on pourrait tenter, c'est limite mettre des choses de bobine ici là. Contre la plage, histoire de... Ça serait peut-être un peu abusé, mais bon, ça pourrait... Ah, d'accord. Ah, j'aurais pas cru que c'était fermé ici. Ah, mais tiens, tu vas venir visiter ce qui se passe ici. Ah, je pensais que ça allait être ouvert, mais en fait, non. Donc ici, c'est vraiment qu'un seul. Un seul gars tout seul dans son coin. Ok, donc on va le soigner, lui. Le réparer. Construction terminée. Le nom exact c'est réparé. Et on verra par la suite. Donc ici en fait on peut pas. Ah d'accord. Donc en fait le croiseur vient de l'extérieur de la carte. En réparation. Unité réparée. C'est moins cool. Déploiement impossible dans cette zone. Construction. On a de la marge. On a de la marge. Avion espion prêt. On va se le tenter comme ça. On va venir ici. Bien compris. Bien compris. Sélection de la cible. Ça c'est quoi? Là c'est l'hélicoptère. D'accord, donc là il y a des... Il y a ça qui apparaît ici. On va tenter en se mettant là si on arrive à parer le truc. Donc là on n'en a pas perdu. Il y a juste lui qui est très endommagé. Qui pourra soigner. Une nouvelle bobine qui est en cours. Eux ils vont se mettre là au cas où. Bon, on a vu que c'est par là qu'il fallait passer, donc on va le faire. Oui, chef. Affirmatif, véhicule au rapport. J'attends les ordres. Affirmatif. En attente. Oui, chef. Allez, on se décide. Allez-y. C'est très bien. De la ressource, de la ressource. Affirmatif. En réparation. Réparé.
germiner. Là, c'est bon. J'attends les ordres affirmatifs. Construction. Ça va le faire aussi, logiquement. Il va pas trop courir là. Ah, on va le faire à l'ancienne. Avec des bons petits murs pour protéger tout ça. On va voir s'ils arrivent à les péter. Construction terminée. Ouais, on y va en mode bourrin. Construction terminée. Construction. Construction terminée. Construction. Budget insuffisant. Bien compris. Construction terminée. Budget suffisant pour faire les murs? Oh! Ah oui. En attente. On n'a plus rien. Annulé. On peut plus rien faire. J'attends les ordres. Affirmatif. Il n'a pas réussi à le finir. Il reste rien. Il reste rien. Mais le but, ouais, c'est qu'on arrive à le détruire lui. Pour potentiellement. Ouais, on pourrait presque rentrer. Crème presque. Ouais, il nous manque. Un canon. Deux canons. Lance-roquette, pardon. Ça sera le bon terme. Donc ici, on est prêt. Là, on voit qu'il y a de la défense ici aussi. Sélection de la cible. En réparation. Unité prête. Construction. Unité réparée. Perdu. On a réussi. Bon rapport. Ouais, je sais, on se fait attaquer par ça, mais c'est pas grave. On voit qu'il y a du monde ici. Tu pouvais pas juste faire ça, toi. Bon, pas grave. Juste, on va en faire deux petits murs, histoire de faire propre. Ouais, c'est juste pour le plaisir de l'esthétisme. Construction. Et on va voir ce que ça donne par la suite. Voilà. Oui, chef. Et toi, on va te mettre là. Ces deux-là, ici. Alors, j'ai peur de partir directement à la bataille et de se faire et de me faire attaquer. Parce que connaissant le zinzin, c'est comme ça que ça va se passer. Et après, on va repasser par en bas. Par le sud. Ouais, très très bien. Très très bien. Avion espion prêt. Allez, on attaque. J'ai plus de mammouth. Si j'avais des. Ah, c'est bien, on garde des mammouths. J'ai perdu le centre technique, mais on garde quand même les unités qui vont avec. Là, il faut que je redéfinisse mon équipe une alors. Ouais. Tac, tac, tac. C'était des mammouths qu'il me fallait. On surveille la carte. Hein. Je pense qu'on va pas faire de mammouth. En attente. Annulé. Construction. Ouais. On va voir ce qui se passe. On a deux mammouths pour l'aérien. C'est très très peu. Mais on va voir ce que ça donne quand même. Avec le L marche. Voilà. La domination soviétique. Allez, faites boulot. Construction. Ok, on se fait pas attaquer. C'est très bien là aussi. Sélection de la cible. Je pense que lui va surtout nous tirer dessus, donc faut d'abord comment on arrive à pénétrer ici. Ok, ça c'est bon, toujours bien. Ah, ne reculez pas les gars.
Allez, tu vas l'avoir ou pas? Non, il n'a pas réussi à le finir. Sélection de la cible. Renfort. Oui, ah, j'étais bête, j'avais oublié. C'est lui qui tire? Ouais, c'est lui qui tire. Fallait s'en douter qu'il allait nous tirer dessus. Hein. On va aller directement là-bas. Ah, je savais bien qu'il fallait que je mette un petit coup d'invisibilité là. Bah, il a pas l'air d'être tout seul, si. Ah, il y a bien que lui qui peut l'attaquer, quoi. Pas. Donc là il est HS. Le coup d'après il est HS, c'est bon. On se fait pas attaquer, ça c'est très bien. Non. Vous vous restez plutôt planqué pour l'instant. On va pas jouer le risque. On nettoie là, on va surtout faire. Construction. On va refaire des lance-roquettes. Ah, le débarquement va pas être évident. Il faut qu'encore on passe là, donc faut qu'on découvre ce qui se passe là-bas. C'est parfait. En tout cas, tu peux rentrer au bercail. Première mue. Ah, j'allais dire qu'on se fait plus attaquer, mais. Je parlais un peu vite. Parfait. Au moins une attaque en moins ici. Ah ben voilà. Ok. Bon ben d'accord. On est passé par le mauvais côté. Construction. Allez, on se met en place pour pouvoir après remonter avec ça. Est-ce que je ramène les sous-marins maintenant? Ouais, j'aurais tendance à vouloir les ramener pour tenter de faire l'assaut par là. Cette partie-là, ça m'embête, je sais pas comment les avoir en fait. Il y a trop d'aériens, il y a trop de choses qui me gênent. Ah, celui-là c'était chaud lui aussi. Comment faire pour les avoir ceux-là? On a fait que la moitié hein. Parce que ouais, je vais devoir le faire celui-là. Donc là s'il y a que ça. Sélection de la cible. Ça sert à rien. On va plutôt garder dans le parachutiste. On va aller lâcher là. Je devrais être encore assez loin en distance pour pouvoir être tranquille. Ouais, ça sert pas à grand chose. Hein. Pas du tout. Hein. Bon rapport. Bon rapport. Oui, c'est d'accord. Tout de suite. Je vais voir s'il va m'attaquer ou pas lui en bas. Voilà, on peut voir qu'il nous attaque. Ah, ça s'annonce compliqué. Cette partie-là, compliquée ici. Après, on peut prétendre à ça, à savoir essayer de... Je sais pas si en fait il va attaquer les hommes ou pas. J'ai pas l'impression qu'il attaque les hommes. Donc en tout cas, si eux vont là... Il pourrait attaquer les contre-torpilleurs. Faut juste qu'il soit à distance. Oui,
Ah, il ne me restait plus qu'un seul. Perdu. Ah mince. Unité prête. Unité perdue. Ah mince de chez mince alors. Bon, j'ai pas fait grand chose comme dégâts finalement avec cela. On va juste les cacher un petit peu au cas où. On va ramener ces deux là aussi, mais je pense qu'on va prendre très très cher quand on va attaquer. Les ponts, on peut pas les réparer, ça c'est bien dommage. Les sous-marins arrivent tout doucement également. Toi tu restes ici tranquillement. Hop 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 hop. J'ai plus rien ici. On commence à être charrette en termes de ressources et tout ça. Hein. Ça s'annonce pas du tout évident. Ah oui, la seule chose que je pourrais faire, oui, c'est un débarquement. Silo requis. Mais on n'a aucune vue sur ce qui nous attend derrière, donc très difficile de prétendre à une attaque là sans avoir vu un minimum de la carte. Donc là, ce qu'on va faire, on va peut-être mettre le... Ah ouais, 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 merci. Et il y a visibilité là ou pas? Je vais juste voir si on peut péter les barils depuis la, l'avion. Bah ben non, on peut pas. Avec tout ce qu'il y a là, on peut pas. J'ai l'impression, tout à l'heure, c'est ce qu'on avait fait. On pouvait s'approcher pour tirer dessus. Et je pense que c'est ce qu'on va tenter de faire. On va juste mettre là. Là, on n'a pas l'air d'être attaqué pour l'instant, donc on va... On va tenter de s'approcher. On va mettre un petit coup de rideau de fer. Histoire d'être tranquille. Ils peuvent avancer ou pas? J'ai l'impression que oui, donc on va le faire comme ça. Ouais. Voilà. Et là, la déviation, elle est faite. Ah oui, oui, Siro, oui, très bien, très bien. Hop, et maintenant on recule. Bon, on va plutôt essayer de détruire le pont. Du moins, de tuer les trois unités qui traînent. Ok, on a fait nettoyage ici. On a malgré tout eu. Notre base est attaquée. Bien compris. Au rapport. Bien compris. Ok, là on a résisté une première fois. J'ai plus d'unité là, si j'en ai deux qui y arrivent. Ah, fallait s'en douter qu'il allait venir nous embêter fortement. Allez, allez, allez. Ça va le faire, allez hop, ça va le faire. On va peut-être en perdre la centrale. Et encore, même pas. Ouh, oui, on a bien résisté. Sauf que là, les collecteurs prennent cher. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'à partir de maintenant, on a moins de risques. Voilà, on a un peu moins de risques ici. Tout est bon ici. On est là. On va pouvoir amener cela. Et maintenant, on va pouvoir monter tranquillement par là. Logiquement, il n'y a rien qui se cache ici. Véhicule au rapport, bien compris. Oui, chef. Affirmatif. Oui, chef. Affirmatif. Parfait ici. Sélection de la réparation. Triple bobine. Unité réparée. Ah, Mustapha passe avec le triple bobine. Construction. Ouais, donc là ça va passer, unité, on va y arriver. Réparée. Ok, silo parfait. Rapport, on n'a plus qu'à avancer maintenant. Oui, chef. Affirmatif. On va voir ce qu'on peut faire ici. Pas de problème. Oui, chef. Unité réparée. Rapport. Bien compris. J'attends les ordres. Oui, chef.
chef. Bien compris. Véhicule au rapport. Affirmatif. J'attends les flags. Oui, chef. Affirmatif. Y'a pas plus proche que ça, quoi. Construction terminée. Il se voit obligé d'attaquer celui derrière. Bon, pourquoi pas, hein, mais... C'était peut-être pas la priorité. Ouais. Et on va faire une petite tourelle ici, tranquillement. Et là, on va voir s'ils arrivent à passer. Avion espion prêt. On va y arriver. Sélection de la cible. Construction terminée. Sélection de la cible. Sélection de la cible. Bien compris. Renfort arrivé. Alors maintenant avec ce qu'on a on devrait... Je vais pas dire qu'on va être peinard mais... Voilà! C'est beaucoup plus facile comme ça hein, quand on pète tout hein. Allez 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 on va y arriver. C'était un peu violent. On dira pas le contraire, mais c'était un tout petit peu violent. On va faire ça. Tant qu'on n'a pas de problème, on va faire ça. Et lui, on va mettre comme prévu devant. Lui, il est bloqué. Lui, il est bloqué. Donc, toujours bloqué ici. Bon, on peut imaginer faire ça au minimum. Bien compris. D'accord. Ouais, maintenant on avancera. Affirmatif. Bien compris. J'attends les ordres. On voit qu'il nous manque quand même des... Vraiment des mammouths. Hein. L'anti-aérien là qui nous envoie... Du moins, l'aérien qui nous envoie nous fait quand même un peu de défaut. Bon là, on l'a laminé royalement. On va laisser les lance-roquettes faire le boulot, hein. C'est. C'est là. C'est quoi que j'ai cru entendre? J'ai l'impression d'avoir entendu un. Sélection de la cible. Un croiseur. Est-ce qu'il serait pas là le croiseur? Ah oui, il est là le croiseur. Construction. Hop là. Ouais, c'est pas rapide rapide, mais on va y arriver. Vous êtes pas passé encore. Budget insuffisant. Vous allez être une belle galère pour passer encore. Ça, ça va. T'es sûr que tu veux m'attaquer là? Ok, on va avancer. Toi, tu vas aller là-bas. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là-bas. On va tenter d'avancer comme il se doit. Pour avoir la meilleure visibilité. Ouh, 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 ouh. Oui, chef, affirmatif. Au rapport, bien compris. Oui, chef, bien compris. Oui, chef, affirmatif. J'attends les ordres, bien compris. Véhicule au rapport. Affirmatif. Oui, chef, affirmatif. Ah, si, il se regarde, hein, qui est prioritaire, qui ne l'est pas. Renfort arrivé. Voilà. De toute façon, vu qu'il faudra tout péter, autant qu'on attaque ces trucs-là avant que... Voilà, comme ça, on les a tous refait passer du bon côté. Alors, on va la voir, celui-là, et je pense que c'est le dernier croiseur qui va nous chatouiller un petit peu. Que je craignais hein. Voilà.
À partir de là, on est tranquille. On a eu le dernier, on a eu le dernier. Je pense qu'on peut avancer un peu plus tranquillement maintenant. Et ne pas craindre qu'il y ait d'autres croiseurs. C'est vraiment un travail de précision hein, dans cette partie. Hein. Est-ce qu'on voit mieux? On va voir si on voit mieux. Là, on a le sous-marin qui est là. Bon, on va le faire passer ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a trois mammouths. Les trois mammouths, ils peuvent faire le tour. J'imagine qu'ils peuvent faire le tour. Ah, lui, il m'agace de voir ici. Ouais, très bien. Avion espion, avion espion. Ok, donc là, il y a de la belle défense, tout ça. Ouais, en plus on soigne toutes les unités. C'est excellent ça. Elle me stressait celle-là. La fabricante jouait là. Ça me stressait depuis tout à l'heure. On le voyait en bleu dans la carte, donc c'était très désagréable. Construction. Voilà, bon maintenant on va faire que des mammouths. Hop là, on attaque ça. Bah, il nous manque beaucoup de visibilité quand même. Hein. On voit que dalle. Clairement, on voit que dalle. Donc on le fait un peu comme on peut. Et même là, il y a encore du... Comment ça s'appelle? Du camoufleur. Qui ne nous aide pas forcément à voir mieux. Hein. Là, on va voir ça, c'est bon. Les mammouths, ils ne servent pas à grand chose sur le coup. Voilà, on voit qu'il y en a encore un ici, avec toutes les centrales qui sont là. J'espère qu'on peut y aller, hein, parce que sinon, s'il faut y aller avec avec de l'aérien, ça va être très très galère. Hein. Donc je ne sais pas comment il faudra y aller. Ok, ça, ça le peut. On va essayer de détruire ça. On va essayer de passer par là même. Ah, dommage. On a les gros mammouths, hein. On a de la vie. On a du mammouth, on a de la vie. On va plutôt essayer de faire le tour ici, comme ça. Clac, 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 clac. Essayer de nettoyer par là. Avion espion prêt. Avion espion, qu'est-ce qu'il me dit? Toi, tu vas revenir ici, pop, pop, pop. Ouais, sauf si tu veux aller ici, mais ça tu peux, mais pas plus loin. Hein. Ouais, il en a mis un paquet. On voit toutes les centrales qui traînent ici. Oh, ça va être galère pour arriver ici. Le but c'est d'arriver à voir. Hein, parce que si on reste aveugle comme ça. Là je pense qu'il y a de toute façon du... Ouais. Comme ça on ira tout à l'heure je pense. On va péter l'anti-aérien. Ah non on pourra même pas passer par là. Donc on va tout ramener.
On y va progressivement, mais voilà, on veut éviter de perdre. Oh, on va pas perdre une unité, hein, ça faut pas s'inquiéter. Voilà, là, on amène du monde. Finalement, ça va se faire facile. Tout le monde tire sur le mammouth. Blindé, bien évidemment. Ah, facile. Bon, ben, on arrive à la fin. On va juste galérer à faire ça, mais sinon on arrive à la fin. J'attends les ordres. Véhicule bien compris. Ouais. Aucune difficulté ici, de toute façon. Ah, c'est la meilleure quand il faut tout péter. J'imagine que si on se met là, on doit pouvoir faire le nécessaire ici. Ah merde, pardon. C'est pas forcément le gros mot que je voulais dire, mais quand même. Ah, ils sont bloqués par le sac de sable. Allez, 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 attaque. Ah, attaque le sac de sable. Voilà. Allez hop, on va s'attaquer à eux maintenant. On va être embêté pendant quelques parachutas, je pense, parce que faut que ça soit chacun qui fasse. Enfin, avec les unités qui vont apparaître dans les. Ouais, voilà. Même si là, les deux là, je pense qu'ils peuvent faire le boulot. On va plutôt descendre ici tranquillement. Enfin, tranquillement. On va plutôt faire comme ça. On va mettre un petit coup de rideau de fer là-dessus quand on pourra, en tout cas lui. Alors, on va voir s'il arrive à le faire ou pas, mais. Je sais pas si ça, ils peuvent le faire. J'imagine que oui. À première vue, ouais, exactement. Donc ça, ça peut. J'ai tout perdu. C'est pas grave. De toute façon, on a gagné la partie. On a terrassé les alliés. Donc là, je me suis dit qu'on allait le faire avec le rideau de fer. Encore une minute ou deux pour passer. On va mettre un char en avant. Alors, l'inconvénient, c'est que on va faire vraiment un truc propre. Alors, il y en a un qui mène la danse, hein, bien évidemment. En espérant qu'il ne soit pas gêné. Voilà. Et donc on refera un petit parachutage. Et on verra ce que ça donne. Le but, on marche jusqu'ici. Ah, le retour a été difficile. Construction. Ok. On peut mettre ça là. J'ai pas compris qu'est-ce qui a été pété comme ça. Voilà, les centrales seront faites. Rideau de fer dans quelques instants. C'était
énorme si on finit quand même avec avec une victoire par le rideau de fer. Hein. L'invulnérabilité mythique. Alors attends, non. On va se mettre là. Ah, j'ai fait le mauvais. Bon, en tout cas, là, ça marche. Hein. Ils font le taf. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. On a perdu un mammouth. Probablement le seul qu'on va perdre. Mission accomplie. Yes! Donc, fallait juste péter les gros bâtiments. Ah, peut-être l'infanterie aussi. Efficacité 150%. Bam! Ah, ça fait mal. Suprématie soviétique. Yes! Le Parti communiste! Haha! Incroyable comme ces Anglais ont la faculté de s'adapter facilement. Oh oui! Ils devraient déplorer le fait que nous soyons victorieux. Mais non, ils ont baissé les pavillons aussi vite que des rats peuvent abandonner un navire. Nous avons fait ce que personne n'avait osé faire. L'Union soviétique s'étend maintenant sur tout un continent. Nous avons enfin libéré l'Europe tout entière. Et cela mérite d'être fêté. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, ça va. Du thé? Pourquoi pas? Quand on est à Rome. Délicieux. Général? Oui. Vous vous êtes magistralement montré à la hauteur. Ah, une grosse efficacité. Je veillerai en personne à ce que vous soyez récompensé selon vos mérites. Ouais. Nadia, c'était réellement délicieux. Merci. Je l'ai préparé moi-même. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Ah. Empoisonné. Sale traîtresse. Attention, il allait mourir, donc... Espèce de porc. Chaflu avec tes sales pattes. L'affaire est faite. En fait, général, la débâcle qui règne en Europe va contribuer à asseoir le pouvoir de la confrérie. La confrérie. Depuis des siècles, nous attendons patiemment dans l'ombre et nous allons enfin agir au grand jour. Ekein a quitté le royaume du Seigneur et a élu domicile au royaume de Nod. J'avais même pas souvenir qu'on parlait de des Nod dans Alerte Rouge. Servi. Et pour ça, vous serez récompensé. Nous pensons que la confrérie sera fatigué de l'URSS dans les années 70. Jusque-là, maintenez la paix. Livrez les combats yes. qui s'imposeront et demeurez notre loyal et fidèle serviteur. Pour toutes les années à venir. Eh oui. Pour toutes les années à venir. Camarade président, c'est moi l'avenir. Oh, j'avais même pas souvenir de ça. En tout cas, voilà, on a réussi, on a fait toutes les missions soviétiques du pack donc de Alerte Rouge 1. Il nous resterait potentiellement à faire les extensions alliées et soviétiques. Premier, il n'y a pas forcément d'ordre et tout ça, donc à voir ce que je
j'entreprends de prendre, de faire ou pas. On réfléchira à la suite si on le fait. Sachant que voilà, il y a Tanga, il y a Emad. Je me souviens même pas de celle-ci, d'Emad. J'ai jamais fait. Même Taiga, j'ai jamais fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et cette série qui a été énormément difficile. Même celle-ci, pas mal de galères. Mais on a réussi. Je vous remercie donc à tous de me suivre et je vous souhaite bonne continuation. C'était Cyril. Ciao, bye bye.